El y a toujours une raison qui fait nous faire recommander. Peut-être que vous avez d'autres qui vous désirent. Mais tout détail, tout une raison qui fait nous faire dire à d'autres, prendre une décision en faveur de rien. Vous parlez un petit peu long, parce que vous pourrez entendre tous les détails. Si ça sonne un pays, ma camarade causé à Rome. Pays en baisse, pays en danger. Qui est côté corruption, qui est côté démocratique, qui est côté l'eau et l'eau-là, qui est côté l'économie, nous tous appelons là. Pays en baisse et pays en danger. Le but du miné, qui fait un peu pour nous un miné. Qui sont raisonnés, ça arrive. Le but du rimet, ce n'est pas pour gagner l'élection générale. Ce n'est pas ça le but du rimet. Parce que dans la liste à droite, la danse du cœur, si vous gagnez là-haut, là-haut. Gagner, c'est fini, gagner. Le but du rimet, ce n'est pas ça. Nous qui connaissons, vous gagnez dans le cadre de l'alliance du cœur. Nous qui sommes sûrs. C'est facile qu'on va qui fait revenir ça. En 2010, 44% de côté, 50% de côté, y compris les jeunes. Des gens qui sont jeunes. Des gens qui sont plongés dans la popularité, y plongés. Donc, ils créent ça. Un dain la vie d'un droit, la lance du cœur nous fait gagner. C'est pas tout, c'est à gagner. Mais, chaque jour qui passait, rapproche ce pays du précipice. Et c'est pourquoi il y a une urgence. L'urgence qui nous provoque élection générale dès que possible. Nous sommes le pays et pour redresser le pays. Comme en 1992, comme en 2000. C'est ça la raison et le but du rimet. Gagner pour gagner. La raison et le but du rimet, c'est la même élection générale le plus vite possible. Quand nous sommes les gouvernements, quand nous travaillons pour mettre le gouvernement en minorité, dans le respect de la Constitution et dans le respect des lois du pays, quand on fait ça, c'est parfaitement légitime. Il est parfaitement constitutionnel, il est parfaitement légal, il est parfaitement légitime. C'est pourquoi mon démontrant pour la métrobalité, ok, quand je me posais par le coup d'état. Ça, que ce coup d'état-là est inacceptable et dangereux. Et ça, que ce coup d'état-là, il demande pas d'histoire lui-même. Laisse-moi rappeler une trois choses. Ça, quand je travaille sur les objectifs, qui fait la vie de me connaît. Et là, beaucoup de gens parmi nous qui posent des vous connaissez, vous rappelez, vous connaissez, qui est arrivé en 1969. En 1969, je ne même pas connais. La constitution du pays d'apparemment. Tant de moi, j'ai ça, on dit que c'était au décolle du débat. En 1969, je demande la Constitution pour mettre dans la Constitution l'élection générale qui a lieu en 1967 pour faire comment dire ce qui n'a a lieu en 1972. Vous donnez-moi bien là. En 1967, là, je fais dans la suprême élection 1967 pour considérer qu'il n'a lieu en 1972. C'est là qui rend cœur de la démocratie et de la Constitution.
un coup d'état légal, ça oui. Il ne s'est pas d'accord. Ça va travailler. Il fait. Il est présent en paix, mais il va dans l'élection générale. Nous gagnons un cas de cette idée. Travaillons qu'il y a un but. Permettez de gagner. Nous sommes capables de nous qui gagner, nous qui sommes au gouvernement. L'air de la route 28 et 8, 36, 36 contre 34, 34 et 36 semaines. Nous sommes capables de faire tous les cas, nous sommes capables de faire payer là-bas là-haut. Nous restons tranquilles. Nous n'acceptons pas la constitution, nous n'acceptons pas notre mandat de prendre une position. Ça, nous n'en avons pas eu le coup d'état en bas. Dis-le, je ne sais pas comment aider. 60-0. Nous sommes capables de faire quoi? Plus de 10 000 différents en santé. Qui nous permet de faire 0? Pour nous amener la constitution des façons à plus d'années encore capables d'envoyer l'élection générale en 1957. Nous nous permettons de faire pour réintroduire l'élection législative par celle de Caroline. Ça va nous arranger une cause de l'État, non? Mais donc, nous sommes marqués par la guerre. Ni parfaitement légitime, au long pays, qui nous fait trouver le gouvernement en minorité d'abord. Et il n'y a pas de question de souvoyer qui que ce soit. Nous faisons la casse, nous parlons de casse, nous parlons de l'âme. Nous parlons de quelqu'un qui est possible. Nous parlons de casse. Comme on a fait cette dernière carrière. Non, nous parlons de casse. Ce qui nous dit, c'est qu'en fait, c'est le devoir de tout patriote. Donc, madame, c'est le devoir de tout patriote qui compte dans son pays de dissocier du gouvernement travailliste PMSC en plus qui n'est plus à aucune légitimité et qui mène le pays vers le précipice. Qui parfait en légitime, c'est qui est. Et maintenant, laisse-moi vivre le monde détaillé, point fort, point fort. Et moi, je veux réussir comme je dis, point fort, point fort, pour vous question, mais si j'ai rien dit. Laisse-moi vivre, point fort, point. Bonne détaillé, bonne condition, bonne détaillé, puriné. Premier point, comprends-moi bien. Si vous passez vous propose, 3 ans des ans, on est votre col. Pas de citoyens, au contraire. Et un ministère qui a 30, nous avons dit qu'ils sont enquêtés à pas les ministères aussi, mais la personne qu'on a mis au chargage, c'est ce qu'il faut le demander. Et vous dire oui! Vous dire oui! Mon même parti pour oser à Diani, à l'intérieur direct,